الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما وعدناكم سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن أهمية الوقت، وسنتطرق إلى الآيات التي وردت في هذا الصدد، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ننظر في الآثار التي وردت عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وعن الحل الذي يعيننا، أو عن الأسباب، سنتحدث عن الأسباب التي تعيننا على الحرص على الأوقات. Donc, comme promis, nous allons parler, inshallah, de l'importance du temps. Nous allons chercher dans le livre d'Allah comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du temps. Nous allons chercher dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons, si Allah le veut et ensuite le temps nous le permet, parler des récits, évoquer des récits des élèves des compagnons et de ceux qui les ont suivis après eux concernant l'importance du temps. Avant de parler du Coran, de la Sunna, nous allons essayer de parler du temps d'une manière logique. Et ça a été fait par un auteur français qui a parlé du temps d'une manière qui m'a intrigué. Imaginez-vous, on vous fait un virement de 1440 euros par jour. 1440 euros par jour sur votre compte bancaire. Sauf qu'il y a des conditions. La première, c'est qu'il faut que vous sachiez que cet argent-là doit être obligatoirement dépensé dans les 24 heures. Obligatoirement. Deuxième chose, ce n'est pas cumulable. Ça veut dire que si vous n'avez pas dépensé les 1440 euros et que le lendemain vous en avez encore, ça ne fera pas 2000 et quelques. Non. Vous retournez à zéro et on vous donne 1440 euros à nouveau. Donc il faut absolument les dépenser dans les 24 heures. Cette somme-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Peut-être que demain vous ne la toucherez pas. Aujourd'hui vous l'avez touchée, mais peut-être que demain vous ne la toucherez pas. Vous la toucherez demain, mais peut-être pas après-demain. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Comment allons-nous réagir avec ces 1440 euros? Premièrement, on va les utiliser jusqu'au dernier centime. Deuxièmement, on va essayer d'investir dans les choses les plus utiles. C'est logique. Voyez, Allah il nous donne 1440 minutes par jour. Depuis votre naissance, vous avez 1440 minutes chaque jour. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les dépense dans le bien? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on se dit, ah bah peut-être que demain je ne les aurai pas ces 24 heures-là, comme on s'est dit là, avec l'argent? Bilal alaykoum, là les 1440 euros, ils viennent tous les jours sur notre compte. Wallah, et on va dépenser même dans des choses futiles. Non, Hachem, il reste 5 euros sur mon compte. Vas-y, je commande un truc qui ne sert à rien. Tu vas dépenser dans quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu rentabilises. Il faut que tu te dises, non, il faut qu'il y ait zéro sur mon compte. Ça y est, ton temps, tes 1440 minutes, est-ce que tu les utilises? Ou tu dis, non, mais allez, c'est pas grave. Et on reste sur nos téléphones à faire quelque chose sans rien faire en vrai. Comme on va le voir dans un verset qui fait très peur. Donc ça, c'est en guise d'introduction. La deuxième petite introduction, c'est qu'il faut savoir que sur le long terme, si vous investissez du temps, vous réussirez tous vos projets. Si vous êtes constant, c'est la condition. Même si ce temps est minime, même si c'est un petit temps que vous allez investir par jour, si c'est de manière continue, vous allez réussir vos projets. Et je vais vous donner un exemple avec le Coran. Si je prenais un d'entre vous, et que je vous le montrais du doigt, et que je vous disais, bah, tu vois, ce gars, il connaît sur la telle baqara. Je dis, oh, mashallah, oh, Allah mabarik, oh, c'est... Oui, mais c'est quoi sur la telle baqara? 286 versets. Taïb, t'apprends un verset par jour. Ça t'en fait combien à l'année? 365. Qui ici peut dire, je suis incapable d'apprendre un verset par jour? On est tous capables. Et 365 jours, il n'y a personne qui a un an dans la salle. On est tous plus grands. Un an de notre vie,
Al-Baqara, plus Ali Imran, une bonne partie d'Ali Imran, avec un verset par jour. Vous voyez, un verset par jour, ça ne va pas nous demander plus de 20 minutes. Vas-y, tu as une mauvaise mémoire, il y a 30 minutes. 30 minutes, un verset en un an, tu as le Baqara et tu as commencé Ali Imran. L'année d'après, tu as fini Ali Imran et tu as commencé Nisa. Et ainsi de suite. C'est quoi Al-Nataij, là, ces résultats-là, ils sont dus à quoi? Al-Hirs. La continuité. Le fait d'avoir été assidu. Donc en vrai, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Atteindre ses objectifs, il faut juste le faire de manière continue. Ça, c'est si la personne, elle apprend un verset par jour. Imaginez-vous, on organise notre temps et on en apprend 2 par jour, 3 par jour, 4 par jour. Combien ça va nous faire à l'année? C'est juste une question de... Après, tawfiq, ba'da tawfiq illah, c'est le... après l'aide d'Allah, c'est juste une question d'organisation. Et comme il disait, al-najihun majmou'u 'adatin ijabiyyatin faqat. Ceux qui réussissent sont juste un assemblage de bonnes habitudes. Ils ont des bonnes habitudes, et bien khlas, ça a fait, ça a donné ce que... Et regardez, que ce soit fil akhirah, fil umur ad-dunya wa umur al-akhirah, alladhina najahu fi ahdafihim hum alladhina harisu 'ala awqatihim. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs mondains ou bien en lien avec l'au-delà, leur point commun, c'est quoi? Ils étaient assidus envers le temps. Ils étaient assidus au fait de sauvegarder leur temps. Le médecin, il est devenu médecin en dormant 8 heures par nuit. Même si lui, il te dit, il faut dormir 8 heures par nuit, lui, quand il étudiait, il dormait pas 8 heures par nuit, sinon il serait pas médecin. Tu vois? C'est parce qu'ils ont sacrifié de leur sommeil. Ils ont sacrifié de leur journée. Peut-être qu'ils rigolaient 4 heures avec ses copains. Bah, quand il était en examen et qu'il faisait ses études, eh ben, il rigolait 2 heures. Et les 2 autres heures, il étudiait. Al-hirsu 'ala al-awqat. Wa kayfa tahaddatha Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihi al-'azim 'an ahammiyati al-waqt. الآية التي يعرفها القاصي والداني الصغير والكبير والعصر أقسم الله عز وجل على الزمان لأهميته فهو يقسم سبحانه وتعالى على الأشياء التي لها قيمة لعظمها كما أقسم ربنا عز وجل على بعض الأوقات والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى هذه بعض الأوقات وهذه إشارات من ربنا عز وجل على أهمية الوقت. الله سبحانه وتعالى dans la sourate que vous connaissez tous a juré par le temps. Et Allah, quand il jure par quelque chose, c'est pour prouver son importance. D'ailleurs, petite parenthèse, Al-Asma'i rahimahullah, un grand poète arabe, a rencontré un bédouin. Vous savez, les bédouins, c'est ceux qui vivent avec les animaux. L'arabe. Et le bédouin demande à l'Asma'i, il dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de... Di'tu min bilad yutla fihi kalam ar-Rahman. Je viens d'un endroit dans lequel la parole du miséricordieux est récitée. Le bédouin, il entend ça. Il dit, awli ar-Rahman kalam. Il dit, le tout miséricordieux, il a une parole? Il dit oui, vas-y, récite-moi un petit peu. Al-Asma'i a commencé à lui réciter. Là, vous êtes avec un arabophone qui a les secrets de la langue arabe qui coulent dans ses veines, en face d'une personne qui est semblable aussi, peut-être même encore plus forte, cette personne-là. Parce que l'arabe, les bédouins, ils n'ont pas été entachés par les gens qui venaient d'autres régions. Donc leur arabe, il était pur. Donc quand ils entendaient le Coran, il avait un effet en eux qui était incroyable. Et donc, Al-Asma'i va lui réciter du Coran. Il va réciter du Coran à une personne qui comprend l'arabe. Et qui sait, qu'en récitant qu'il sait, à partir du moment où les versets seront récités, il va savoir immédiatement si ça c'est une parole d'un humain ou la parole du Seigneur des humains. Donc Al-Asma'i récite. Wad-dhariyati dharwa. Et il récite. Qu'est-ce qu'il arrive au verset dans lequel Allah il dit « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ » Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans cette sourate-là « وَالدَّارِيَةِ ذَرْوَى » Il est arrivé au verset dans lequel Allah il dit « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ » Et dans les cieux, il y a votre subsistance. L'Asba'i, l'Arabi, صح.
Le bédouin, il commence à crier. Notre subsistance, elle est en haut. Pourquoi on va se prendre la tête? Pourquoi? Il s'est levé, il a égorgé sa bête pour Allah, son chameau. Il a égorgé directement Sadaqa. Et il commençait à distribuer aux gens qui passaient. Ma subsistance, elle est en haut. Ça veut dire que là, ce que je vais donner, ça ne va rien déduire de ma subsistance à moi. Ma subsistance, elle est là-haut. Vous avez vu? Première fois qu'il entendait ces versets-là, il regardait l'effet que ça a eu sur lui. Il commençait à distribuer la viande. Les années, elles passent. Et l'Asma'i, il re-rencontre cet homme-là. Et l'homme, le bédouin, lui dit, tu te rappelles là que tu m'avais récité la parole du tout miséricordieux? Tu peux encore? Est-ce que il a d'autres versets? Il y a d'autres paroles? Je dis bien sûr. L'Asma'i, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la tête. Il a continué sur la tête d'Ariyat. Et dans sur la tête d'Ariyat, il y a quoi? فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure que ceci, le Coran, la religion, la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est véridique. Ce sont des choses qui sont vraies. Allah, il jure. Et là, l'Asma'i a commencé à crier. Il dit, qui est-ce qui a poussé Al-Jabbar, Al-Jalil, il a Al-Qasam? Qui est-ce qui a poussé Allah à jurer? Parce qu'il sait, je vous ai dit, c'est des gens qui maîtrisaient la langue arabe. Lorsque tu parles à quelqu'un, si moi je te raconte une histoire, j'ai pas besoin de jurer pour que tu me crois. Je vais te parler et tu vas me croire. Si par contre tu me dis, Ilyes, t'es sûr? Je vais te dire, ah oui, non, je te jure, je te promets, je suis sûr. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, si tu me dis, non, je pense pas que c'est vrai, là, je vais te dire, non, écoute, Wallahi, c'est vrai. Donc, c'est la troisième étape. C'est, je t'ai raconté, tu m'as démenti, je t'ai dit, non, je te promets, c'est vrai, j'ai encore un peu plus appuyé. Et troisième fois, tu me dis, non, je pense pas que ce soit vrai. Et là, je viens et je te dis, non, Wallahi, c'est vrai. Là, Allah, il jure. Il jure, ça veut dire que en face, il y a des gens qui ont dit non, c'est pas vrai. L'Arabie, c'est ce qu'il a compris du verset. Et c'est vrai. Les gens ont démenti le Coran. Et donc, du coup, Allah, il a juré pour prouver que cela est vrai. Allah, il jure que ce Coran est vrai. Mais qui est-ce qui a poussé Allah à jurer? Donc, le bédouin, il a tout de suite compris que les gens ont démenti cette parole. Et donc, du coup, Allah a juré. Et donc, du coup, Allah a juré. Donc, ça, c'était la parenthèse sur le fait qu'Allah jure dans le Coran. Donc, dans cette sourate-là, ou Al-Asr, Allah, il jure par le temps. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut. Par contre, vous et moi, nous avons le droit de jurer seulement et uniquement par Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Wa illa falyasmut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut jurer alors qu'il jure par Allah, sinon qu'il se taise. Dans l'autre hadith, la tahlifu bi abaikum, ne jurez pas par vos pères. À l'époque, ils juraient par leurs pères. Nous, aujourd'hui, on jure par nos mères. C'est le même jugement. Il y en a d'autres qui jurent sur la tombe de leur grand-mère. C'est le même jugement. Celui qui veut jurer qu'il jure par Allah, sinon qu'il se taise. Et quel est le jugement de jurer, du fait de jurer par autre qu'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak » Shakar Rawi. Le rapporteur du hadith, il a un doute. Il a dit « Je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela ou bien cela. Quiconque jure par autre qu'Allah aura certes mécru ou bien aura fait de la mécréance. » Donc c'est un grand péché de jurer par autre qu'Allah. Allah par contre, il jure par ce qu'il veut. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette surah-là, il jure par le temps pour nous montrer l'importance de celui-ci. Allah nous dit, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. Allah nous décrit, dans surat Fatir, l'état des gens de l'enfer. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. Ils hurleront à l'intérieur de l'enfer. Ils hurleront, رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Ô notre Seigneur, fais-nous sortir de cet endroit pour faire une bonne action, pour faire un bien, une bonne action. Toi sur terre, combien de bonnes actions tu peux en faire en une seconde, pas en une minute, en une seconde. Subhanallah. Voilà, bihasanat. Alhamdulillah, bihasanat. Walhamdulillah itamla'ul mizan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alhamdulillah, cette parole-là, elle remplit la balance de, sur laquelle sera pesée tes actions, tes hasanat.
Il te dit Alhamdulillah. Juste ce mot-là, il remplit la balance. Combien de Alhamdulillah tu pouvais en dire sur terre? Donc Allah, qu'est-ce qu'il va leur répondre? أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Est-ce que nous ne vous avons pas donné assez de temps pour que puisse se repentir celui qui voulait se repentir? Est-ce qu'on ne vous a pas donné assez de temps pour revenir vers moi? أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. النَّذِيرُ قيل هو الشيب، هذا إنذار أن الموت قد قرب منك. Certains savants du tafsir, donc je traduis le verset, Allah il dit وجاءكم النذير, donc on vous a laissé du temps pour que vous puissiez vous rappeler, pour que vous puissiez revenir vers Allah. وجاءكم النذير, et l'avertisseur vous est venu, vous est parvenu. Certains savants du tafsir ils disent النذير c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est l'avertisseur. C'est pour te dire, tu vas bientôt partir. Repends-toi. Reviens vers Allah. Il y a plus de chances que tu partes que le jeune. Même si le jeune peut mourir. Mais comme on a vu dans le hadith tout à l'heure, l'âge moyen de ma communauté est entre 60 et 70 ans et seront très peu ceux qui dépasseront cet âge-là. Donc celui qui a atteint cet âge-là, qu'il sache qu'il y a très peu de chances qu'il dépasse les 70 ans. Et c'est pas du pessimisme. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a dit que cet âge-là, nous allons être très peu à le dépasser. Et c'est un bienfait d'Allah que tu aies atteint cet âge-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné. Ayyun nasi khayr. Faqala man tala umuruhu wa hasuna amalu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur les meilleurs des personnes. Il a dit, ceux qui ont une longue vie et qui ont fait beaucoup d'actions. Donc ils en ont profité dans leur longue vie, pendant leur longue vie, de faire des bonnes actions. Et c'est ce verset-là auquel je faisais allusion dans la traduction, dans l'introduction, pardon. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Il leur a fait oublier leur propre personne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le fait que la personne oublie sa propre personne? Ça veut dire que tu es vivant, mais tu es mort. Ça veut dire que tu fais des choses, mais sans les faire. Ça veut dire que tu es inutile. Ça veut dire que tes journées sont remplies sans être remplies. Tu ne fais rien d'utile. Rien qui te rapproche d'Allah. Mais c'est la conséquence de quoi? Eh bien, regarde le début du verset. « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Tu as oublié Allah. Tu ne l'évoques pas. Tu ne pries pas. Tu fonces tête baissée lorsque c'est ces interdits, lorsqu'il y a ces interdits, et après tu t'étonnes que tu fasses rien d'utile, que tu n'arrives pas à aller vers le bien, même quand tu as du temps libre, tu n'arrives pas à faire des hasanats. Et personne n'a ses journées remplies au point il ne peut pas faire des hasanats. Et même ceux qui ont leurs journées remplies, Allah il t'a facilité des adorations pour que tu puisses l'adorer pendant que tu fais quelque chose. Qui parmi nous ne peut pas évoquer Allah lorsqu'il travaille? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tu me dis, je ne peux pas faire d'aumône, j'ai pas d'argent. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Tu sais c'est quoi? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Tu as oublié Allah, alors Allah il t'a fait oublier ta propre personne. Tu t'occupes sans t'occuper, tu fais des choses sans faire des choses. Tu es inutile. Et lorsque tu seras mort, il n'y aura aucune différence. Aucune différence. Pourquoi? Parce que tu as oublié Allah, alors Allah a fait en sorte que tu oublies ta propre personne. Vous voyez pas? Des fois, il y a des personnes qui sont sur leur téléphone. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Tu fais quoi depuis tout à l'heure? Rien. Mais si, tu es sur ton téléphone. Forcément, tu faisais quelque chose. Non, là, je faisais rien. Je passais comme ça. Ou bien, je regardais des trucs. Mais inutile. 1 heure. 60 minutes. 60 minutes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en 60 minutes, il y en a qui finissent le Baqara? 49 pages. Il y a 60 minutes. Ça fait plus d'une. Tu peux réciter. Vas-y, tu fais Allah une minute et quelques par page. Tu finis le Baqara. Il y en a qui ont fini le Baqara pendant que toi, tu étais sur ton téléphone à regarder soit des choses inutiles, soit des choses néfastes. Encore pire. Est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu t'imagines que Yawm al-Qiyama, ils seront au-dessus de toi et que tu vas te dire qu'est-ce qui t'a mené? Bah, juste, je récitais un petit peu plus. Rien de fatigant. Rien qui l'a appauvri. Rien. Plus, il a récité. Vous savez, le seul muscle qui ne se fatigue jamais, c'est la langue.
Eh bien, Allah, il a fait en sorte que les adorations tournent autour de cette langue-là. C'est le muscle qui ne se fatigue jamais. Même le petit doigt, il se fatigue. Il n'est pas lourd. Faites des mouvements avec pendant 5 minutes, vous allez voir, vous allez fatiguer. Pas la langue. C'est pour ça qu'on parle tout le temps. On s'arrête jamais. Voyez, Allah, il a fait en sorte, parmi sa miséricorde, il a fait en sorte que les adorations soient liées avec la langue. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoquer Allah? Qu'est-ce qui t'empêche? Sadaqa, j'ai pas d'argent. Sadaqa, je suis un avare. Vas-y. Mais le dhikr. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoquer Allah? Donc, Allah, il nous dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Ne soyez pas comme ceux qui oublient Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Sinon, ne t'étonne pas d'être inutile. De jamais faire quelque chose de « Ah, oh, mashallah, tel il a fini le Coran. Mashallah. » Mais il n'a rien de plus que toi. Si Allah, il ne lui a pas donné les ailes. Et Jibril, il a pas le numéro de Jibril, il a un accès direct avec lui. C'est comme toi. Il est comme toi. Il est humain. Il a ses colères, il a ses faiblesses, il a ses fatigues, etc. Mais il s'est organisé. Il n'a pas oublié Allah. Et lorsqu'il faisait un péché, il se repentait. C'est pas un malak, c'est pas un ange. Il s'est juste organisé. Et on va voir comment essayer de s'organiser pour avoir un maximum de bénéfices derrière le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. As-sihhat wa al-farah. » Le hadith fi Sahih al-Bukhari, le hadith Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit deux bienfaits dans lesquels les gens sont maghboun. Le maghboun, huna, yani al-khasar. Deux bienfaits dans lesquels les gens sont perdant. As-sihha wa al-farah. La santé et le temps libre. Et je vous invite à aller voir ceux qui sont autour de vous malades. Dites-leur, demandez-leur comment ils se sentent aujourd'hui par rapport aux années qu'ils ont laissées derrière eux. Derrière elles, on a dit des personnes. Aucune personne. Donc, combien de temps elles ont perdu et comment elles regrettent aujourd'hui? J'aurais pu, et j'aurais pu, et j'aurais pu, et j'aurais pu. Aujourd'hui, ben, je peux pas. Je peux plus. Mais il pouvait. Allah, il lui a donné la capacité. Et ben, aujourd'hui, c'est trop tard. Sache que toi, mon frère, qui est en bonne santé, demain, il est fort probable que ce soit toi à sa place. Donc, est-ce que ton discours, il sera le même que le sien, ou bien tu te diras à l'intérieur de toi, Alhamdulillah, j'ai préservé mon temps. J'ai appris durant ma jeunesse. J'ai enseigné. Si je meurs, ce sera que mon corps qui sera mort. Mon nom, il restera. Les gens, ils m'évoqueront en bien. Tel, alhamdoulilah, il m'a appris le Fatiha. Tel, alhamdoulilah, il m'a appris le Nas. Vous savez, il y a un savant. C'était un Mukhri. Mukhri, c'est, il fait réciter aux gens le Coran. Et il est mort. Et ses élèves, ils l'ont vu en rêve. Et ils lui ont dit, Masana Allahu bik. Qu'est-ce qu'Allah, il a fait de toi? Qala ghafara li, li annani kuntu uqri'u al-Fatiha. Il a dit, Allah, il m'a pardonné. Pourquoi? Parce que j'enseignais aux gens le Fatiha. Le Fatiha. On se dit quoi? Le Baqara, si je l'enseigne aux gens, c'est mieux. 286 versets, les gens vont la réviser. Par gauche, shayatin, elle écarte des shayatin, elle écarte des sahara, etc. La salat, elle n'est pas bonne si le Fatiha, elle n'est pas bonne. Donc, enseigner aux gens le Fatiha sera plus utile pour toi que d'enseigner aux gens surat al-Baqara. Et c'est une hasanat qui est accessible à tout le monde. On peut tous, aujourd'hui, apprendre à nos enfants, apprendre à nos neveux, apprendre à nos frères et sœurs, le Fatiha. Comment la réciter correctement? Ici, est-ce que c'est 6 temps, ou bien 4 temps? Ici, est-ce qu'il y a une shadda, ou bien il n'y a pas de shadda? Et ainsi de suite. Tu peux être la cause pour que leur salat soit bonne. Et peut-être qu'Allah, il te fera entrer au paradis, via cette hasanat-là. La tahqiru min al-ma'ruf shay'a. Ne dénigrez rien concernant le bien. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa law an talqa akhaka biwajhin talq. Même si c'est en ne dénigre aucun bien, même ne serait-ce que de sourire au visage de ton frère. C'est une sadaqa. C'est une sadaqa. Le hadith suivant concernant le fait d'être assidu à son temps, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhumah, fi Sahih al-Bukhari, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala li Abdillah, kun fi dunya, ka annaka gharib, ou abiru sabil. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il a reçu comme enseignement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam la chose suivante. Kun fi dunya, sois dans la vie d'ici-bas, ka annaka gharib, comme si tu étais un étranger. Ou abiru sabil.
ou bien quelqu'un qui passe, quelqu'un qui est de passage. Il est encore plus étranger que le premier. Lui, il est que de passage. Le gharib, il s'assoit. L'autre, il est que de passage. Il passe par l'Espagne pour aller à tel endroit. Lui, il est de passage. Le gharib, il reste. Le gharib, il reste et après, il va. Non, l'autre, abir ou sabil. L'autre, juste, il passe. Il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans la vie d'ici-bas, comme celui-là. Celui qui passe, qui est de passage. Abdullah ibn Omar, il a très bien compris la leçon. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du hadith, il dit quoi ? إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك. Il dit Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما, lorsque tu vois que tu es vivant le matin, n'attends pas le soir. En gros, ne te dis pas que ce soir tu seras vivant. Et lorsque tu atteins le soir, ne te dis pas que le matin tu seras vivant. Vous savez, il y a un imam qui raconte. Je ne sais plus dans quel livre je ne sais plus. Oui. حضرت الصلاة حضرت وقت الصلاة ولم يحضر الإمام فقدموا أحدا فأبى فألحوا عليه فاستجاب ولكن بشرط قال أنا أصلي لكم الظهر ولكن لا أصلي لكم العصر فقالوا له تأخر تأخر رجل يظن أنه سيعيش إلى صلاة العصر ليس برجل صالح. Un homme, donc ils étaient dans la mosquée et ils ont dit à un, donc l'imam n'était pas là, ils ont dit à un d'entre eux, bah vas-y fais-nous la salat. Elle a dit non. Ils ont insisté. Il a dit d'accord. Il a dit mais je vous fais cette salat. L'asr je vous le fais pas. Je sais pas si je serai là. Il lui a dit recule. Pourquoi ? Il nous dit une personne qui pense qu'il va vivre jusqu'au Asr, c'est une personne qui est mauvaise. J'imaginez ? Le fait de ne pas avoir de l'espoir dans le fait de vivre longtemps. Et ils se sont réunis, trois vieux prédécesseurs, ils se sont réunis, ils nous disent c'est quoi l'amal ? C'est quoi espérer vivre longtemps pour vous ? Il y en a un, il a dit bah, moi quand je vais pour dormir, je me dis que je ne me réveillerai pas. Bon, il lui dit ouais, ok. Deuxième, il lui dit ouais, moi je pense que voilà, la prière suivante, je pense pas que je serai là. Voilà. Oh, il lui dit ok. Troisième, et puis à chaque fois qu'il dit ouais, ok, il lui dit bah toi c'est quoi ? Il a dit moi à chaque fois que j'inspire, je me dis que je pourrais pas expirer. C'est ça qu'Essarul Amel. C'est de se dire là j'inspire, mais je sais pas si je pourrais expirer. Et en vrai, est-ce qu'il y en a un assez fou pour jurer qu'après avoir expiré, il pourra inspirer ? Non. Je ne sais pas, peut-être que Malakul Maut il est là. Et il attend et il va récupérer l'âme. Tous ceux qui sont morts, est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir à cet âge-là ? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir à ce moment-là ? Est-ce qu'ils pensaient que leur projet, ils allaient tomber à l'eau ? Non. Al-Mautu ta'ti barta. Donc la mort, elle vient subitement. Donc les autres hadiths, on en a parlé sans faire exprès. Ayyun nasi khayr, quels sont les meilleurs des gens ? Man tala umuruhu wa hasana 'amaluhu. Donc on va passer à. Je vais juste inverser deux points. Comme ça, si je ne le finis pas, le dernier point, ce ne sera pas grave. Donc, il y a les solutions et il y a les récits des compagnons et de leurs élèves, etc. Donc, les récits, ils sont assez longs. Il y en a pas mal. Donc, si on ne les termine pas, ce ne sera pas grave. Par contre, les solutions, on va essayer de les terminer. Donc, les solutions. La première solution, husnus sohbah. Le fait de traîner avec des bonnes personnes. Être avec de bonnes compagnies. Si tu es avec des personnes qui jouent 6 heures à la play par jour, forcément, si toi tu apprends 20 minutes par jour, tu vas dire oh, machallah, moi je suis quelqu'un de bien en fait. Oui. Mais si tu es avec quelqu'un qui finit le Coran tous les 3 jours, tu vas te dire ouais, bon, je suis pas quelqu'un. Moi je suis pas quelqu'un de bien, je suis même pas quelqu'un. Je suis à moins que rien. C'est avec ce genre de personnes que tu vas traîner. Dis-toi que celui qui joue 6 heures, tu peux te comparer à lui, mais est-ce que tu peux te comparer à tel qui finit entre l'un de les 3 jours. Et ne croyez pas qu'on trouve ces récits-là que dans les livres. On connaît des personnes, personnellement, qui finissent le Coran en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, en termes de lecture. Les 600 pages. Et qui finissent. Mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc la première solution, le premier point, le fait d'être en bonne compagnie. D'être avec des bonnes personnes. D'être avec des gens, يَحْرِصُونَ عَلَى أَوْقَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ. Avec des gens qui vous pousseront vers le haut. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a
ordonné à ses serviteurs la prière à des moments bien précis. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, elle a été définie, elle a été prescrite à des moments précis. Pourquoi ? Pour que tu gères ton temps. Pour que tu puisses te dire, ya muslim, moi, je ne suis pas monsieur tout le monde. Moi, à telle heure, j'ai quelque chose à faire. À telle heure, j'ai quelque chose à faire. À telle, pour que tu t'organises. Al-Hajj, on peut le faire quand on veut ? Non. C'est à des périodes bien précises pour que tu puisses t'organiser. La zakat. La zakat, il faut que le haoul, il faut que l'argent ait fait un an pour que tu t'organises. Tout a été mu'aqqat. Tout a été réglé en termes d'horaire, en termes de mois, en termes de... Pour que tu puisses t'organiser. Pour que tu puisses t'organiser. C'est pas le fawda. Quand je pourrai apprendre, j'apprendrai. Quand je pourrai réviser, je réviserai. Un moment dans ma journée. Là, bloque-toi de 18h à 19h. Il y a un décès. Est-ce que vous voulez? Il y a un tremblement de terre. J'apprends. J'apprends. Ou bien je révise. Ou bien je lis le Coran, ou bien je l'écoute, ou bien j'écoute un cours, ou bien je reste entre le Maghrib et le Isha à la mosquée. Mais ce temps-là, il est consacré à ça. Quoi qu'il se passe, ce n'est pas les choses à l'extérieur qui vont me changer. C'est moi qui vais changer les choses de l'extérieur. C'est la différence, justement, entre le mouton et le berger. Mouton, il suit, miskin. Le berger, c'est lui le chef. Toi, tu es maître de ton temps. C'est toi le chef. C'est pas les autres qui vont décider, bah, toi, à telle heure, tu vas faire et à telle heure, tu vas faire. Non. De telle heure à telle heure, j'apprends ma sourate. De telle heure à telle heure, je révise mon Coran. De telle heure à telle heure, j'écoute du Coran, ou bien je vais à la mosquée, ou bien je fais une hasana parmi les hasanas. Deuxième point, adam ihtiqar al-daqiqa. Ne dénigrer rien du tout concernant le temps. Même une minute. Même une minute. Tu dis, vas-y, je vais rester sur mon téléphone encore 5 minutes. Ces 5 minutes-là, elles peuvent être la cause pour que tu entres au paradis. Ces 5 minutes-là, si tu avais fait du dhikr, si tu avais évoqué Allah, ne dénigre pas. Même une minute ne la dénigre pas. Regardez. Dans Adhkar al-Sabah et al-Masa, on a Subhanallah wa bihamdihi 100 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui dit cette chose-là 100 fois le matin, 100 fois le soir, personne, yawm lam ya'ti ahadun, man qala Subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, man qala hina yusbihu wa hina yumsi bismillah, man qala Subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bimithli ma ja'a bih. Ou comme il dit. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit subhanallah wa bihamdihi 100 fois le matin et 100 fois le soir, personne ne viendra le jour de la résurrection avec autant de hasanat que lui. Comptez. Faites subhanallah wa bihamdihi avec un chronomètre et regardez chez vous combien de temps ça va prendre. Ça ne dépassera pas 120 secondes. 120 secondes. Tu t'imagines le nombre de secondes que tu as passé sur ton téléphone dans lesquelles tu pouvais dire subhanallah wa bihamdihi qui aurait pu alourdir ta balance? Le dernier hadith dans Sahih al-Bukhari, le tout dernier dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit: regardez tous ces textes là qui nous poussent à dire, à faire, etc., et malgré cela on fait pas. Vous savez, quand on a un poste, on nous dit, celui qui est, dire n'importe quoi, comptable, si tu deviens comptable, tu toucheras 3000 euros. Ah, t'es motivé à faire comptable. Si on te dit, si tu deviens président ou chef d'une entreprise, bah, tu vas toucher 15 000 euros et tu pourras te lever à midi. Ah, ça nous motive. Là, c'est des hasanats. C'est la même chose, mais c'est en termes de hasanats. Et l'effort qu'il faut faire, c'est quoi? Allah bihamdi. Allah bihamdi. Voilà. Donc. Ah oui, le hadith, le dernier hadith dans Sahih Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, kalimatan, deux paroles, légères à la langue. Donc il est en train de t'annoncer que c'est un travail qui est facile. Là, il t'annonce en introduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un travail qui est facile. Khafifatan ala lisan. Mais la récompense, elle est énorme. Le salaire, il est gros. Thaqilatan fil mizan. Lourde dans la balance. Le must. Yarhamukallah. Et le must, la cerise sur le gâteau, habibatani ila ar-rahman. Elles sont aimées auprès du miséricordieux. On est en train de te dire, il y a une action qui est facile. Ben, si tu l'as fait, eh bien, peut-être que tu seras aimé d'Allah. Parce qu'Allah, il aime cette parole-là. Il aime ces deux paroles-là. C'est quoi? Subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim. Toi, tu te dis, dans l'introduction, tu te dis, ouais, bah, peut-être il va me dire sortir 100 euros par jour. Peut-être 200 euros. Peut-être à la semaine, sortir 200 euros. Tu sais, c'est une action qui va être dure. Faire 400 unités. Non, subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim. Voilà. Aimé auprès du miséricordieux, lourd dans la balance. Et légère dans la langue. Voilà, en une minute, ce que tu peux faire. En une seconde. Adam ihtiqar al-daqiqa. Ne dénigrez pas, ne dénigrez rien de votre temps. C'est ce que vous avez de plus cher. Ceux qui adorent l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Le temps, c'est
c'est de l'argent. Parce que ceux qui adorent l'argent qui disent ça. Les musulmans, ils disent le temps, c'est des hasanats. Pas le temps, c'est de l'argent. Ah, oula, ubadu. Hein? Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa wa intakas wa idha shika falan taqash. Ala kalamu nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Idan, nahnu, donc nous, musulmans, on tourne la chose comment? C'est le temps, c'est des hasanats. Ah, mais l'argent, ça va partir. L'argent, ça va partir. Comme il disait un des poètes, amwaluna lidawil mirathi najma'uha. Nos biens, c'est pour nos héritiers qu'on les amasse. C'est pour nos héritiers. Vous avez tous perdu des grands-parents ou des parents ou bien. Qu'est-ce qui s'est passé après leur mort? On les a enterrés avec leurs billets? Non. Ceux qui devaient hériter, ils se sont battus pour les petites pièces qui restaient. Voilà. Donc en fait, c'est bien à lui. C'est bien à lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha lorsqu'il est rentré et qu'il n'a pas trouvé de nourriture. Il ne restait pas grand-chose. Aïcha radiallahu anha lui dit, ya Rasulallah, tout est parti, sauf l'épaule de la bête. Tout est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il lui a changé sa vision. Il lui a changé sa façon de voir les choses. Il lui a dit non. Tout est resté. Tout est resté, sauf l'épaule. En fait, c'est ce que tu as donné qui reste. C'est la nourriture que tu as donnée en vrai qui reste. C'est pas celle qui reste à la maison. Celle qui reste à la maison, on va la consommer. On va avoir des hasanats pour ça. T'as mangé. Jusqu'à ce que tu sois rassasié. Tu vas être récompensé pour parce que t'as mangé. Par contre, ce que tu as donné, c'est ça qui reste. Donc en vrai, c'est ce que tu donnes qui reste. Donc le temps, c'est de l'argent. Non, non. Laissez cela à ceux qui font de l'argent leur but ultime et qui adorent les billets. Nous, musulmans, le temps, c'est des hasanats. Le temps, c'est des hasanats. Donc, s'il y en a un qui veut te faire perdre du temps, le temps, il est précieux. Une minute, tu pourras pas la récupérer. Comme on va le voir dans les récits qui vont suivre, Inch'Allah, si on a le temps. Donc, Adam Uhtiqal et Dakika, Hada, Hua, Al-Amru Sani. Al-Amru Sari, Tadakkuru al-Maut. Wa Tadakkuru al-Ardi al-Allah. Le fait de se rappeler de la mort. Le fait de se rappeler que tu seras debout devant Allah. Allah, il va te questionner. Il va te questionner. Wa an umurihi. Wa an shababi. Aïban. Il te questionnera. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Imagine-toi, debout devant Allah. Imagine-toi debout devant Allah et il te dit, moi je t'ai donné. Moi je t'ai donné la santé. Moi je t'ai donné un corps. Moi je te donnais du temps. Je t'ai donné une famille musulmane. Je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Qu'est-ce que tu as fait pour me remercier? Est-ce que tu t'es rapproché de moi ou bien tu as fait que t'éloigner? Tout ça, laisse baynahu wa baynahu turjuman. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith Adi ibn Hatim fi sahihain. Laisse min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. ليس بينه وبينه ترجمان فينظر الى يمينه فينظر الى شماله وينظر الى يمينه فلا وينظر تلقاء وجهه فما يرى الا النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Prophète صلى الله عليه وسلم nous dit on sera debout devant Allah, il n'y en a pas un qui va y échapper. On sera tous devant Allah. À droite tes actions, à gauche tes actions et devant l'enfer. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait durant ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de ce bienfait que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu as fait de la mère que je t'ai donnée? J'ai enlevé la mère de tel et de tel et de tel, ils n'ont pas goûté à ce bienfait. Toi, je t'ai donné une mère. Est-ce que tu l'as respectée? Toi, je t'ai donné un foyer. À tel, je lui ai envoyé, je lui ai enlevé. Il dort dehors. Est-ce que tu m'as remercié? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Si on travaille 35 heures par semaine, normalement, la logique voudrait qu'on donne au moins 35 heures pour Allah. Ayeb, si on faisait le quota des adorations, en termes d'heures, ça ferait combien par semaine? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah sur toutes les heures qu'on a passées, insouciant, ou pire encore, dans le péché? Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième, c'est le fait d'avoir un programme. D'avoir un programme. De telle heure à telle heure, je fais telle chose. De telle heure à telle heure, je fais telle chose. Un programme. Un truc solide. Pas un truc quand j'ai le temps, je fais. Un truc solide, un programme. Et le cinquième point, c'est le fait d'avoir des ahdaf. Il est à quelle heure, Aïcha?
18 et vous attendez 10 minutes. 10 minutes. Donc, et demi, vous faites la salat. Donc, l'adaf, le fait d'avoir des objectifs, le fait de se fixer des objectifs journaliers, hebdomadaires, etc., etc. Moi, cette semaine, j'apprends 15 versets. Moi, à la fin du mois, j'ai appris surat al-mulk, j'ai appris surat al-duha, etc., etc. D'avoir des objectifs, un suivi, un suivi. Et des objectifs à l'année. Là, je vous ai donné l'exemple avec le Coran. Ça peut être avec la lecture du Coran, ça peut être avec l'apprentissage du Coran, ça peut être avec l'écoute du Coran, ça peut être avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être avec le fait de lire un ouvrage bénéfique. Hein, on a tous à la maison, j'espère, le jardin des vertueux, Riyad al-Salihin, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, mathalan. Par exemple, le livre, le jardin des vertueux, pardon, de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Avoir un programme, quelque chose de solide, pas je vais là où le vent m'emmène. Non. Je me fixe des objectifs. À la fin du mois, j'ai fini le jardin des vertueux. Il y a plus de 1000 hadiths. Voilà. Je divise ça en termes de jours. Ou bien tous les deux mois. Ou bien tous les trois mois. Et ne pas attendre le ramadan pour essayer de faire quelque chose et d'enlever la poussière qu'il y a sur le mushaf. Donc ça, ce sont les cinq points pour essayer d'être assidu à son temps. Les récits. Donc je vais commencer en introduction par des paroles. Quelques paroles. Et après, on va parler des actes, de leurs actes à eux. Des compagnons et des élèves des compagnons radiyallahu anhum jami'an. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى اعرف من يعد كلامه من الجمعه الى الجمعه. فضيل بن عياض dit moi je connais des gens qui comptent leurs paroles de vendredi en vendredi. Il sait combien de mots il a dit d'un vendredi à l'autre, une semaine. Toi et moi, la journée, combien de mots on a dit, à combien de personnes on a raconté, à combien. Des fois même, tu vas raconter quelque chose à quelqu'un, il va te dire, ah oui, tu m'as déjà raconté. Tellement tu parles beaucoup. Lui, il dit, moi je connais des gens, il te dit, moi je connais des gens, ils savent combien de paroles ils ont fait sortir de leur bouche d'un vendredi à un autre. Une semaine. Une semaine. Le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, kana yaqul, wa hada mukhawif. Hada yukhawif. Min alamati i'radillahi anil abd. أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. صلى الله سلامة العافية. والله، quand on lit ce genre de choses, on a peur. On a peur de rencontrer Allah. Parce que nous, on a une façon de penser, on ira tous au paradis. Et quand on lit ces récits-là, on se dit, mais attends, si eux, ils parlent comme ça, alors qu'ils faisaient des actions énormes, qu'est-ce que ça doit être nous? Si Allah, il est ressuscité et qu'on leur montrait l'état dans lequel on est au niveau de nos adorations, mais qu'est-ce qu'ils diraient de nous? Hassan al-Basri, il disait, min alamati i'radillahi anil abd. Parmi les signes qu'Allah s'est détourné d'un serviteur, le fait qu'il fasse en sorte que cette personne-là se mêle de ce qui ne la regarde pas. Combien de fois on s'est mêlé de ce qui ne nous regardait pas? Vous savez, ça veut dire quoi, ce qui ne nous regarde pas? Kullu ma la yanfa'uk. La fi dunya wa la fi l'akhirah. Hada la ya'nik. Tout ce qui n'est pas utile ici-bas ou dans l'au-delà pour toi, ça ne te regardera pas et ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que ça te fait que la voisine elle a fait ça ou elle a fait ça ou l'autre il a fait ça ou l'autre elle a fait ça? Ça ne te regarde pas. Ce temps-là, il est précieux, Harry. Il est précieux. Hassan al-Basri, il te dit, parmi les signes qu'Allah s'est détourné d'un serviteur, le fait de mettre ses occupations dans ce qui ne le regarde pas. Et Hassan al-Basri, il disait aussi, aussi le Hassan al-Basri. Vous savez, le Hassan al-Basri, il a beaucoup de paroles comme ça. De paroles, comme ils disent, yushbihu kalam al-nubuwa, qui ressemble à la parole de la prophétie. Il a des paroles, elles tapent, elles t'atteignent direct. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous ne jouez pas. Hassan al-Basri, il a été allaité par une des épouses du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, il a un lien indirect avec le sang du prophète. Il a été allaité, je ne sais plus si c'est Umm Salama ou une autre, mais il a été allaité par la fille du prophète. Il y en a un qui levait la main, je ne l'ai pas vu? Non? Ah ok. Vous me dites. Donc en fait, Al-Hassan al-Basri, il a été allaité par une des épouses du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent dans sa biographie que peut-être que c'est la baraka du sang du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vu qu'il a eu un lien direct. Donc Al-Hassan al-Basri, il avait beaucoup de paroles comme ça.
Il dit لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. On peut pas faire plus fort comme image. Il dit moi j'ai rencontré des gens de Hassan al-Basri, ils étaient plus avares envers leur temps que vous envers votre argent. Voilà, l'image elle est parfaite. Tu vois le gars qui veut pas te payer une canette un euro. Eh ben c'est la même chez eux, mais sauf que c'est avec leur temps. Comme ils ont dit, et justement c'est celui-là tout à l'heure que j'ai failli citer, mais que je n'ai pas cité. C'est le athar de Amir ibn Abd al-Qais. Qila lahu kallimni. Faqala amsik al-shams. Ils ont dit à ce savant-là, ils lui ont dit, vas-y, parle un peu avec nous, reste un peu avec nous. Il lui a dit, attrape le soleil. Stoppe-le. Stoppe le soleil. Comme ça, le temps, il passe plus. Il dit, oui, je peux pas. Allez, viens, alors, laisse-moi tranquille. Bah oui, je vais pas perdre mon temps. Tu t'imagines, on te dit, si tu parles avec telle personne, chaque seconde pendant lesquelles tu parles avec cette personne-là, eh bien, on déduit de ton argent un euro. On enlève, prélèvement direct. Un euro, un euro, un euro, un... Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire. Vas-y, c'est tout. Vas-y, laisse-moi tranquille. Eh bien, fais la même chose avec tes hassanettes, avec ton temps. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Ok, c'est que ça. Ah, laisse-moi tranquille. Allez, je vais lire mon Coran, je vais écouter mon Coran, je vais faire des prières, je vais. Parce que ça, c'est plus précieux, on a dit, que l'argent. Voyez, les mawaqif. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كنا مع الثوري جلوسا بمكة فوثب وقال النهار يعمل عمله. عبد الرحمن بن مهدي dit on était, nous étions avec notre professeur Soufiane al-Thawri. وهذا إمام من الأئمة. C'est un grand parmi les grands. C'est un grand savant. C'est un grand parmi les grands. C'est un grand parmi les grands. من آداب المجلس لا تتكلم أثناء الدرس ومن أراد أن يتكلم فأرض الله واسعة واسعة أما في الدرس فهذا من سوء الأدب لا ينبغي عندما تقرؤون في كتب الأدب تنظرون في سير الصحابة وكيف كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث تجدون فيه كأن على رؤوسهم الطير سي أن وازو. Afin, je traduis, parmi les comportements pendant le dars, c'est de ne pas parler. Lorsque vous lisez dans les biographies des compagnons, etc., vous allez trouver que les compagnons, si un oiseau se posait sur eux, eh bien, si un oiseau passait par là, il pouvait se poser sur leur tête. Tellement ils étaient immobiles, ils ne bougeaient pas et ils étaient attentifs. Donc, s'il y a deux personnes qui parlent, il y en a forcément une des deux qui est entre eux. En tout cas, dans un endroit comme celui-ci. Vous savez, c'est Soufiane ibn Uyayna. Il entendait un crayon se tailler dans son majlis, il prenait ses sandales et rentrait chez lui. Pourquoi ? لأن العلم أمانة والأمانة لا توضع إلا في موضعها اللائق بها. Parce que la science, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Tu ne vas pas mettre ce dépôt n'importe où. Voici la personne, elle parle en même temps que toi. C'est qu'elle ne mérite pas ce dépôt-là. إذا انصرف. Va à tes occupations et laisse-le. بارك الله فيكم من آداب الدرس ألا تتكلموا أثناء الدرس وأظن أن فيه غرف أخرى تتكلمون فيها ما بما تريدون وما تشاءون. Voilà, il est là le problème. بارك الله فيك. سفيان الثوري رحمه الله. Il était assis avec ses élèves et parmi ses élèves عبد الرحمن بن مهدي. Et c'est lui qui raconte l'histoire. عبد الرحمن بن مهدي. Il dit nous étions assis avec سفيان الثوري à Mecca. On était assis et d'un coup سفيان il se lève. Et il dit, le temps il est en train de passer. Il est parti faire des adorations. Alors que si ça se trouve, il est en train de parler de l'au-delà. Mais lui, il veut quelque chose d'au-dessus. Soufiane al-Thawri, c'est Soufiane al-Thawri. C'est un grand parmi les grands. Et c'est ces biographies-là qu'on devrait imposer à nos enfants. Au lieu de lire les biographies des joueurs de foot qui courent derrière un truc en. Voilà, bref. Vous avez compris? Il faut ces biographies-là. Mais comment leur inculquer ces choses-là si nous-mêmes on ne les connaît pas? Apprenons, c'est qui Soufiane al-Thawri, Soufiane ibn Uyayna, Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'islam? Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, Ali ibn al-Madini, il raconte, son un de ses élèves. Il dit, des fois, il nous citait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cite. Et pendant qu'il cite, il y a l'enfer. Il parle de l'enfer. Donc il a cité des hadiths, et là, comme ça, il parle de l'enfer. Il s'arrête. Il se lève et il va vers la sortie et il disait « Annar,
النار 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 النار. قال علي بن المديني فلا ينتفع به اياما. Il dit, et pendant plusieurs jours, personne ne lui parlait. Dès qu'on lui posait une question, là, il dit, je sais pas. Il avait l'enfer. Une fois, il a dormi chez quelqu'un, et ce quelqu'un-là lui avait préparé de l'eau pour qu'il fasse ses ablutions. Donc, il lui a posé à côté de lui pour faire la prière de la nuit. Donc, Soufiane al-Thaouri, il est assis. L'hôte, donc celui qui l'a invité, il va dans sa chambre, il fait ce qu'il a à faire. Et pour le faire, l'homme, il vient récupérer Soufiane al-Thaouri pour aller à la mosquée. Et il trouve Soufiane al-Thaouri assis. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, l'eau, elle n'a pas bougé. Qu'est-ce que t'as pas fait la prière? La prière de la nuit? Qu'est-ce que t'as fait? Il lui a dit, je suis resté assis depuis que tu m'as laissé. J'ai pensé à l'enfer. Il a dit, j'ai pas réussi à dormir. Est-ce que vous imaginez? Réfléchir sur l'enfer 5 minutes, 10 minutes, ça va. C'est faisable. Toute une nuit. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé de sa place. Il est resté assis. Il a dit, je réfléchissais sur l'enfer. Vous voyez? C'est ce genre de personnes dont on devrait parler dans nos maisons. Pas de tel et tel et tel joueur de foot. J'ai envie de donner de nom. C'est, wallah, je connais des gens, wallah, il a dit que je n'abuse pas. Ils connaissent les chaussures des joueurs de foot. Il sait que là, il a changé, et là, il a changé. À telle période, il avait ça. Et tu sais, dans telle version du jeu de foot, ben, il avait celle-là. Mais en vrai, il joue mieux avec celle-là. Tu lui demandes les 10 premiers au paradis. Tu lui demandes les quatre califes. Les quatre califes. Abu Huraira? Ça, c'est si, il écorche pas le nom. Abu Huraira? Il y en a un qui m'a dit Ibrahim, alayhi salam. Dans les quatre califes. Les quatre califes m'a dit Ibrahim, alayhi salam. C'est dommage de ne pas inculquer ce genre de choses. Mais comme je vous ai dit, pour les transmettre, il faudrait que nous aussi, on s'en imprègne. Hein? Comment ils disent les Arabes? Faqidu shay la yu'ti. Celui qui n'a pas la chose, il peut pas te la donner. Si tu me demandes un stylo, j'en ai pas, mais je pourrais pas te le donner. Donc si toi tu connais pas, toi-même tu n'as pas ce genre d'histoire en tête, comment tu vas les raconter aux autres? Comment tu vas la raconter à tes enfants et tu vas les inculquer? Donc, on commence par travailler sur nous-mêmes et après on enseigne aux autres. Comme Allah il dit, ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Donc, préservez vos propres personnes de l'enfer et vos familles. Et tu commences par toi. Comme dans sourate Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat ila an ba'd bi'd ad-da'wa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Donc tu commences par toi, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc moi je crois, moi j'ai des bonnes actions et après j'enseigne, après j'apprends aux autres. Donc on commence le travail par nous-mêmes. Donc comme nous avons Saouri, n'am. قال ابن السماك دخلنا على ابي بكر النهشري فجعل يحدثنا ساعة ويصلي ساعة وقال يا إخواني لا تلوموني فإني أبادر طي الصحيفة. Donc Ibn Sammak nous dit qu'il est rentré chez son professeur Abu Bakr al-Nahshali. Il dit فجعل يحدثنا ساعة ويصلي ساعة. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben il nous citait des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam un moment, et dès qu'il finissait de nous citer des hadiths, il partait, il faisait deux unités de prière. Ensuite il revenait, il nous donnait d'autres hadiths. Ensuite il partait, il refaisait deux rak'at, et à chaque fois il faisait comme ça. Il s'arrêtait pas. Donc en fait, le temps qu'eux, ils écrivent, ben lui, il partait faire deux unités de prière. Il faisait rak'at. Ensuite, il revenait, il leur donnait d'autres hadiths. Le temps qu'ils écrivent, il partait. Et il disait, La talumuni fa inni ubadiru tayya sahifa. Dis-moi, je veux remplir, ne me faites pas de reproches. Moi, je veux remplir mon livre d'action. La l'ange qui est à droite, je veux qu'il ne s'arrête pas d'écrire pour moi. Voilà, Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. وهو عالم وتكلم عن عالم آخر وهو من شيوخه ابن عقيل رحمة الله عليهم جميعا. ابن الجوزي يقول إني وجدت بخطه يعني بخط شيخه وهو ابن عقيل قال إني وجدت بخطه إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي فلا أنهض إلا وقد خطر لما أسطره. Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit, j'ai trouvé une parole écrite de mon professeur Ibn Aqil. Vous savez, Ibn Aqil, c'est qui? C'est un savant qui a écrit un livre qui fait plus de 500 volumes.
Al-Funun. 500 volumes. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer? Lui, l'écriture, c'était quelque chose de normal. 500 volumes. Malheureusement, il est mafroud. Malheureusement, on ne sait pas où est-ce qu'il est, ce livre-là. On a quelques, je crois qu'il y a 2 volumes qui ont été édités, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il est dans une mektaba en Espagne ou en Turquie. Vous savez, dans les martotats, c'est les livres qui sont écrits par des auteurs qu'on écrit, voilà. C'est des manuscrits peut-être qui sont emmagasinés quelque part, mais on ne les a pas. Eh ben, c'est lui, Ibn Aqil. Eh ben, Ibn al-Jawzi, il dit, j'ai trouvé une chose écrite de la part de mon professeur, Ibn Aqil. Il dit, il dit, innahu la yahillu li an udayya sa'atan min 'umri. Il ne m'est pas permis de négliger une partie de mon temps, même une petite partie, une infime partie. Il ne m'est pas permis de faire ça. Et lorsque mes yeux sont trop fatigués pour lire et ma langue trop, elle est épuisée quant au fait de débattre, je suis trop fatigué, je peux pas débattre, j'ai pas envie de parler. Mes yeux sont fatigués, j'arrive pas à écrire, je veux pas lire. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je m'allonge et je réfléchis sur la science. Je réfléchis. Il s'allonge et il réfléchit sur la science. Il dit, et lorsque je me lève, j'écris ce à quoi j'y pense. Donc même quand il était en pause, c'était pas une pause. Ça, c'est Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. Wa qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, akhbarana akhu shaykhina an abihi annahu qala, kana al-jadd idha dakhala al-khala'a yaqulu li iqra fi hadha al-kitab warfa' sawtaka hatta asma'. Subhanallah. Ibn al-Qayyim nous dit que le frère de son professeur lui a raconté sur leur grand-père. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Le grand-père, il disait à son fils, écoute, akramakumullah, je vais aux toilettes. Prends ce livre et lis à voix haute. Comme ça, je vais t'entendre. Est-ce que vous imaginez? Aux toilettes, hachakum. Il mettait son fils devant et lui disait, lève la voix avec le... Lis le livre et lève la voix. Comme ça, je ne perds pas de temps. Aux toilettes. وهذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى وغفر له يقول لو قيل لي إن جهنم تسعر الآن ما استطعت أن أزيد في عملي فيها. أبو مسلم الخولاني رحمه الله disait, si on était venu me voir et on m'avait dit l'enfer est en train d'être attisé, l'enfer il est là, il est prêt, bien je n'aurais pas pu rajouter quelque chose dans mes bonnes actions. Je peux pas faire plus que ce que je suis en train de faire actuellement. Il n'y a pas de hasanat que je peux faire en plus. Tout mon temps est rempli. Est-ce que vous imaginez si nous, on nous disait ça? Regardez, on va poser la question après le deuxième récit. Abdurrahman ibn Mahdi, il décrit un de ses professeurs qui s'appelle Hamad ibn Salama. Hamad ibn Salama, rahimahullah, c'est un grand parmi les pieux prédécesseurs. Ils disent dans sa biographie, donc Abdurrahman ibn Mahdi, il dit dans sa biographie, il dit « لو قيل لحمد ibn سلامة إنك تموت غدا » Ils disent dans la biographie de Hamad ibn Salama. Ils disent, si on avait dit à Hamad, l'ange de la mort, il est là. Il va récupérer ton âme. Il a dit, il n'aurait rien pu rajouter dans ses bonnes actions. Maintenant, on se pose la question. On nous dit, là, l'ange de la mort, après l'Aïcha, il va te récupérer. Est-ce qu'il y a une action que tu peux faire en plus ou pas? C'est le temps, il est... On va faire que ça. On va rajouter. Astaghfirullah, je dois de l'argent. On va pas sortir de la mosquée. On va appeler. Tu te rappelles, tu me pardonnes pour ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait. Et les hasanats que tu vas vouloir gratter, des choses que tu n'as jamais faites avant, hein, 2 unités. Ben, je faisais jamais, je restais assis et j'étais sur mon téléphone. Les duas entre l'adhan et la salah. Jamais. Ah, mais là, ya Rabbi, fais-moi entrer au paradis. Allah, fais-moi entrer au paradis. Mais qui te dit qu'il n'est pas là? Qui te dit que là, il ne t'attend pas? Qui me dit à moi qui vous parle? Qui ne m'attend pas? Eh bien, voilà. Hamad ibn Salama. Et Hamad ibn Salama, pas étonnant, il est mort en soujoud à la mosquée. Ah oui, si tu remplis ton temps de bonnes choses, forcément, Allah, il n'est pas injuste. Il va te prendre pendant un bon moment. Mais Hamad ibn Salama, il faisait du tasbih, du tahmid, du takbir. Il donnait le hadith. Et quand il donnait le hadith et que les gens écrivaient, eh bien, lui, il évoquait Allah. Pas de temps libre. Eh bien, Allah, il l'a pris à quel moment? Quand il était en prosternation à la mosquée.
Ahmad ibn, d'ailleurs, Abdurrahman ibn Mahdi, là, qui raconte, on peut se dire, lui, il raconte l'histoire, lui, c'est un rigolo. Voilà, lui, il dit, Ahmad ibn Salama, il était comme ça, comme ça, comme ça. On se dit, ouais, Abdurrahman ibn Mahdi, c'est qu'un rapporteur. Ouais, lui, il raconte l'histoire. Oui, bah, lisez la biographie d'Abdurrahman ibn Mahdi. En fait, c'est une montagne qui parle d'une autre montagne. Lui, c'est un monstre dans l'adoration qui rapporte d'un autre monstre dans l'adoration. Abdurrahman ibn Mahdi, dans sa biographie, vous allez trouver que Ali ibn Madini a dit le concernant Kana Abdurrahman ibn Mahdi yakhtimu al-Qur'an fi kulli laylatayn. Voilà, c'est juste un rapporteur, c'est juste une parole. Non, non, Abdurrahman ibn Mahdi dans sa biographie, Ali ibn Madini, il nous dit il finissait le Qur'an tous les deux jours. Nous, on se dit oui, il parle de Hamad ibn Salam, ça veut dire forcément il doit être en dessous de l'Akhi. Non, non, non. Lui aussi, c'était une montagne. Lui aussi, c'était une montagne. Et tout à l'heure, on parlait de Sofiane al-Thawri. Sofiane al-Thawri, lorsqu'il agonisait, lorsqu'il allait pour mourir, Hachakoum, il urinait du sang. Et le médecin, lorsqu'il est venu le voir, il a dit, ça, c'est quelqu'un qui a trop d'angoisse. C'est quelqu'un qui angoisse trop. Et donc, les gens qui étaient avec lui, ils lui ont dit, t'as peur de l'enfer? T'as peur d'entrer en enfer? Bien sûr. Bien sûr que j'ai peur de rentrer en enfer. Vous croyez quoi? Les hasanats, c'est une barrière. Ça y est, Allah, il a accepté. T'as pas reçu d'SMS, toi, paiement accepté. Rien du tout. Tu sais pas. T'a'mal, wa la tadri mada yusna'u bik. Tu fais, mais tu sais pas ce qu'on va faire de toi. Soufiane al-Thawri, il était allongé. Et il y avait Abdurrahman ibn Mahdi et Ali ibn Madini, deux élèves à lui. Ils sont en train d'essayer de le rassurer, etc. Et il savait que c'était la fin. Parce qu'il s'évanouissait, il se réveillait, il s'évanouissait, il se réveillait, il s'évanouissait. Et ils ont prévenu le fameux Ahmad ibn Salama. Ils l'ont prévenu. Donc ils sont partis voir. Et Ahmad ibn Salama, il vient en courant. Il enlève ses sandales, il rentre. Il y a imam. Il le rassure. Alasta qad aminta mimma kunta takhafu wa taqdumu ala man tarjuh. Il dit, ça y est, t'es à l'abri de ce que tu craignais. Ça y est, t'es à l'abri de ce que tu craignais. Et tu vas vers celui en qui tu as de l'espoir. Allah. Et Sofiane al-Thawri, qu'est-ce qu'il lui dit? Atatma'u li mithli an yanjoua min an-nar. Sofiane al-Thawri, il dit à Ahmed, est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi, il va être préservé de l'enfer? Quelqu'un comme qui? Comme quoi? Comme toi, Sofiane, qui priait la nuit et qui faisait. Il lui dit, est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi va être préservé de l'enfer? Ahmed, il lui dit, « Eh, wallah, inni la arju la kadhalik. » Ahmed, il lui dit, « Wallah, j'espère, oui, qu'il va te sauver de l'enfer. » Il lui dit, j'espère qu'Allah va me sauver. Il lui dit, naam, j'espère qu'il sauvera quelqu'un comme toi de l'enfer. Si c'est lui, là, il parle comme ça de lui. Et qu'il venait nous voir, nous. C'est quoi tes espérances? Bah, rentrer au paradis. Sans être châtié? Ben oui. Tu fais quoi pour espérer ça? Ben, je prie. Voilà. Et je fais le jeûne du ramadan. Ah oui, je mange pas de porc aussi. Voilà. Je dis Inch'Allah aussi quand je dis demain et tout. Voilà. Si Allah il est ressuscité et il pouvait nous poser des questions, mais il va dire, ya Allah, reprends-moi tout de suite, je ne vais pas vivre avec des gens comme ça. Donc ça c'est Sofiane al-Thawri. Et on va terminer Inch'Allah sur le dernier. Avec d'ailleurs Sofiane al-Thawri, hein, pour terminer, Sofiane al-Thawri rahimahullah, ils lui ont dit, est-ce que tu as peur de tes péchés? Quand il était allongé en train de mourir, ils lui ont dit, est-ce que tu as peur de tes péchés? Il a pris de la terre, du sable dans ses mains, et il a fait comme ça. Il a fait, voilà comment je vois mes péchés. Il dit, moi j'ai peur qu'Allah il m'enlève la foi juste avant de mourir. Il y a un péché peut-être que tu as fait, et qui a mis Allah en colère contre toi. Et peut-être qu'il se vengera au moment où ton âme sortira. En faisant quoi? En faisant en sorte de t'enlever la foi. La dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'il faisait le plus, c'était Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis le mien sur ta religion. Toi, t'es pas à l'abri qu'il le fasse pour toi. Comme les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'as peur pour nous. Waqad amanna bik, wa saddaqnaka bima ji'ta bih. T'as peur pour nous, alors qu'on a cru en toi et on t'a suivi. On a combattu à tes côtés. Le prophète, il a dit, inna al-Qulub bayna usbu'ayn min asabi'illah, yuqallibuha kayfa sha. Dit, les cœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à ce compagnon, il dit, les cœurs des humains,
sont entre deux doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Car il y a des gens qui étaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas cru en lui. Il y a des gens qui ont vu une table servie descendre du ciel. Non, c'est pas un signe, ça. C'est innama sukkirat absaruna. On est sous, hein. Non, tu nous as fait du sukk, hein. Tu nous as ensorcelés. Ils ont vu une table servie. Il y a une table, il y a de la nourriture dessus, elle descend du ciel. Comment tu veux ne pas croire après ça? Eh ben, il y a des gens qui n'ont pas cru. Donc la foi, c'est Allah qui te la donne et c'est lui qui peut te la retirer du jour au lendemain. Il y a des gens, ils faisaient partie de la famille des prophètes, chez qui ils ont été envoyés. Ibrahim alayhi salam, son père. Lot alayhi salam. Sa femme. Lot alayhi salam, sa femme. Nuh, son fils et sa femme. Ils ont vu les prophètes, ils ont vécu avec eux. Comment ils ont fini? Engloutis. Dans la mécréance, ou bien engloutis au sens propre, comme le fils de Nuh. Il a dit, moi, je vais me protéger. La logique, c'est logique. Il y a un déluge qui arrive, je vais me mettre derrière la montagne. Je vais pas monter sur un bateau, c'est pas logique. Oui. Mais on t'a pas demandé d'être logique ou non. On t'a demandé de suivre la révélation. La révélation, elle t'a dit d'aller là-bas. Ta logique, elle te dit d'aller là-bas. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Kana min al-mughraqin. Voilà, t'as suivi ta raison. Pour toi, la raison, c'était d'aller là-bas. Eh ben, t'as fini parmi les engloutis. La famille. C'est des gens qui font partie de la famille des prophètes en question. Et ils n'ont pas cru. Toi, tu fais pas partie de la famille du prophète. T'as vu aucun prophète. T'as pas vu de table servie. Sauf quand tu dormais, qui descendait du ciel. Tu n'en as pas vu de ton vivant. Et pourtant, t'es musulman. Donc, c'est un cadeau de la part d'Allah. Donc, dis-toi que les péchés que tu fais, Allah, il peut se venger en t'enlevant la foi à la fin de ta vie. Donc, repens-toi de tes péchés. Repens-toi. Et c'est ce dont Sofiane avait peur. Et donc, il a dit, moi, mes péchés, je les vois comme ça. Il a dit, moi, j'ai peur, an uslab al iman. J'ai peur qu'Allah m'enlève la foi et qu'il finisse éternellement en enfer. Parce que Shaitan ne te lâchera pas. Comme l'imam Ahmed, lorsqu'il agonisait, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils, il est venu le voir. Pendant que l'imam Ahmed est en train de mourir. Il est en train de mourir. Son fils, il a dit, ya abata, qul la ilaha illallah. Qala la ba'd. L'imam Ahmed est en train de mourir. Son fils, il vient le voir, il dit, la ilaha illallah. Il dit, après. Après? Lui, il dit après. Si lui dit après, on est tous foutus. Si lui, là, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah, c'est fini. C'est désespoir total. L'imam Ahmed, 300 unités par jour surérogatoire. Il connaissait 1 million de hadiths. Quand il était enfant, les gens, ils montraient du doigt, ils disaient, ah, c'est l'enfant qui fait la prière la nuit. Une de ses caractéristiques, on n'a pas. La moitié, le tiers. Tu fais 150 unités, toi, par jour? Lui, il en faisait 300. 150, tu les fais? Vas-y, le tiers. 75. On fait pas. Donc si lui, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah lorsqu'il meurt, c'est fini. Et son fils, c'est ce qu'il s'est dit. Il dit, attends, mon père, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Oui, c'est bon, c'est foutu. Donc, Mohamed, il reprend ses esprits, parce qu'il s'évanouissait, il se réveillait, il était en train de mourir. Donc, à un moment, son fils, il lui dit, voilà, il s'est passé quelque chose. Il lui dit quoi? Il dit, écoute, je t'ai dit de dire la ilaha illallah, tu m'as dit non, après. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, en fait, Shaitan, il est venu. Il est venu à moi. Il était à côté. Et il lui disait, Fatani Aba Abdillah, l'imam Ahmed m'est passé entre les doigts. Il a réussi. Ahmed, tu as réussi. Il disait à l'imam Ahmed, ça y est, t'as réussi. Tu vas faire partie des gens du paradis. Ça y est, mashallah. Ça y est, toi, ta place, elle est promise. Et l'imam Ahmed, quand il a entendu ça, il a dit là, bad. Non, pas encore. Après. Quand mon âme, elle sera sortie, que j'aurai réussi à dire la ilaha illallah, là, ok. Mais là, non. Il voulait lui faire rentrer du rourour. Il voulait lui faire rentrer dans son cœur de l'autosatisfaction. Hein? Ah, mashallah. Ouais, c'est vrai. Eh ben oui, frère. À chaque fois, jamais je t'ai écouté. Et voilà. Et il a réussi à lui faire rentrer quelque chose de négatif. Et peut-être même que ce sera la cause pour que ses hasanats soient effacés. Eh ben, l'imam Ahmed disait non, après. Non, après. Voilà pourquoi il disait après. Ah oui, parce que si l'imam Ahmed il dit après pour la ilaha illallah, bon, c'est désespoir total. Mais alhamdoulilah, c'était pas pour ça. Du coup, je termine ma petite histoire et après je vous laisse tranquille. Ibn Thabit al-Bunani. Donc c'est le fils de Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, c'est un des élèves d'Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa khuwaylim wa rasulillah. Et c'était le petit servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Thabit al-Bunani, il dit,
ذهبت ألقن أبي فقال يا بني دعني فإني في ولدي السادس. Ibn Thabit al-Bunani, il dit, j'ai été voir mon père pour lui faire dire la ilaha illallah. Parce qu'il était en train d'agoniser, il était en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Thabit al-Bunani? Il lui a dit, laisse-moi mon fils, je suis en train de réviser. C'est la sixième fois que je révise ma partie du Coran. Regarde, il fait sa vie. Il fait sa vie. Il est en train d'agoniser, il est en train de réviser son Coran. Il dit, c'est la sixième fois que je révise là. C'est la sixième fois que je clôture ce que je devais réviser pour aujourd'hui. Il est en train d'agoniser, il est en train de lui dire ça. Et certaines personnes n'arrivent même pas à dire la ilaha illallah. Pourquoi? Tawfiq. Wa laysa illa hadha. Hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa baraka Allahu fikum.